Thank you.
ainsi. Du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, n'avait pouvoir d'ouvrir le livre, ni d'y jeter les yeux. Je me désolais de ce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni d'y jeter les yeux. Mais l'un des anciens me dit: ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et ses 7 sceaux. Alors je vis, au milieu du trône et des 4 animaux, au milieu des anciens, un agneau se dressait qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siège sur le trône. Et quand il eut reçu le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau: tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Alors je vis, et j'entendis la voix d'anges nombreux autour du trône, des animaux et des anciens. Leur nombre était milliards de milliards et milliers de milliers. Ils proclamaient d'une voix forte: il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toute créature au ciel, sur terre, sous terre et sur mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer: à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. Et les 4 animaux disaient: amen, amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent.
Solennité de tous les saints. La solennité de tous les saints nous met devant les yeux la foule immense des rachetés pour nous dévoiler l'avenir vers lequel nous sommes en marche. Mais elle doit aussi nous rendre conscients de notre solidarité avec ceux qui nous ont précédés dans le monde invisible. Vivant près de Dieu, ils intercèdent pour nous. Ils sont des puissances dans nos vies. Dans la communion des saints, homélie de Saint Bernard pour la Toussaint. Pourquoi notre louange à l'égard des saints? Pourquoi notre chant à leur gloire? Pourquoi cette fête même que nous célébrons? Que leur font ces honneurs terrestres, alors que le Père du ciel, en réalisant la promesse du Fils, les honore lui-même? De nos honneurs, les saints n'ont pas besoin, et rien dans notre culte ne peut leur être utile. De fait, si nous vénérons leur mémoire, c'est pour nous que cela importe, non pour eux. Pour ma part, je l'avoue, je sens que leur souvenir allume en moi un violent désir. Le premier désir, en effet, que la mémoire des saints éveille, ou plus encore stimule en nous, le voici. Nous réjouir dans leur communion tellement désirable et obtenir d'être concitoyens et compagnons des esprits bienheureux, d'être mêlés à l'assemblée des patriarches, à la troupe des prophètes, au groupe des apôtres, à la foule immense des martyrs, à la communauté des confesseurs, au cœur des vierges, bref, d'être associé à la joie et à la communion de tous les saints. Cette Église des premiers-nés nous attend, et nous n'en aurions que. Les saints nous désirent, et nous n'en ferions aucun cas. Les justes nous espèrent, et nous nous déroberions. Réveillons-nous enfin, frères. Ressuscitons avec le Christ. Cherchons les réalités d'en haut. Ces réalités, savourons-les. Désirons ceux qui nous désirent. Courons vers ceux qui nous attendent. Et puisqu'ils comptent sur nous, accourons avec nos désirs spirituels. Ce qu'il nous faut souhaiter, ce n'est pas seulement la compagnie des saints, mais leur bonheur, si bien qu'en désirant leur présence, nous ayons l'ambition aussi de partager leur gloire avec toute l'ardeur et les efforts que cela suppose. Car cette ambition-là n'a rien de mauvais, nul danger à se passionner pour une telle gloire. Et voici le second désir dont la commémoration des saints nous embrase. Voir comme eux le Christ nous apparaître, lui qui est notre vie, et paraître nous aussi avec lui dans la gloire. Jusque-là, il ne se présente pas à nous comme il est en lui-même, mais tel qu'il s'est fait pour nous. Notre tête, non pas couronnée de gloire, mais sainte par les épines de nos péchés. Il serait honteux que sous cette tête couronnée d'épines, un membre choisisse une vie facile, car toute la pourpre qui le couvre doit être encore non pas tant celle de l'honneur que celle de la vérité. Viendra le jour de l'avènement du Christ. Alors, on n'annoncera plus sa mort de manière à nous faire savoir que nous aussi sommes morts et que notre vie est cachée avec lui. La tête apparaîtra dans la gloire et avec elle, les membres resplendiront de gloire lorsque le Christ restaurera notre corps d'humilité pour le configurer à la gloire de la tête, puisque c'est lui la tête. Cette gloire, il nous faut la convoiter d'une absolue et ferme ambition. Et vraiment, pour qu'il nous soit permis de l'espérer et d'aspirer à un tel bonheur, il nous faut rechercher aussi, avec le plus grand soin,
l'aide et la prière des saints, afin que leur intercession nous obtienne ce qui demeure hors de nos propres possibilités.
qu'une